Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve donc pour une petite vidéo annonce. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de quête temporaire pour le moment comme promis, tout simplement parce que j'ai un souci de record. Donc je vais revenir sur ce souci de record en dernier point sur cette petite vidéo annonce. Donc je tenais également à vous parler avant tout. Donc j'aurais aimé publier la quête temporaire bien avant, mais je pense que l'annonce arrivera avant la quête de la vidéo temporaire s'il y a. C'est l'arrêt des quêtes temporaires sur FF15. Donc à la base j'avais lancé donc cette petite série de quêtes temporaires histoire d'avoir le, on va dire, l'épée d'Afrojack, chose que j'ai eue récemment. Et je me suis un petit peu remise en question parce que oui, c'est bien de faire ce genre de contenu. Le problème, c'est qu'on arrive vite là au bout. Je pense que j'ai assez usé le système des quêtes temporaires parce qu'on n'a que 3 modes. Donc le mode pêche qu'on a eu qu'une seule fois, chasse en masse et contre la montre. Le problème étant que ce sont toujours les mêmes mobs qui reviennent, alors qu'on aurait pu mettre d'autres mobs, comme par exemple les morboles, on les a vus qu'une fois. Bon, mettre un peu plus de triangles, bon, revoir un petit peu le niveau pour certains monstres, quoi. Parce que bon, les simples triangles, on aimerait bien les voir, quoi, et pas seulement que les triangles notoires. On aimerait aussi voir par exemple les géants de fer, chose, enfin, ce sont des monstres assez imposants et assez forts. Je pense qu'on pourrait rehausser même le niveau avec les quêtes temporaires, ça serait vraiment génial. On pourrait également vaincre des armures magitech, ça serait pas mal aussi. C'est tout en fait ces petits mobs qu'on aimerait bien voir, et en fin de compte ils nous posent toujours les mêmes. Donc soit des curls, là on a les pampas. Après on va voir quoi, je sais même pas vraiment parce qu'on a toujours les mêmes mobs qui reviennent. Donc les cités comme ça, j'ai pas d'autres vraiment qui me reviennent en tête, parce que bon, j'en ai quand même fait. Enfin, pour ça, allez voir directement les anciennes vidéos, vous verrez que ce sont toujours les mêmes mobs qui reviennent. Et le système de quête temporaire tourne en rond. Il pourrait par exemple mettre un mode, par exemple, vaincre les boss. Donc ils nous remettent tous les boss du jeu d'affilée. Ça serait bien, ça serait un petit concept. Puis je pense qu'avec le niveau des quêtes temporaires, ça pourrait donner quelque chose de bien, comme par exemple vaincre autant de boss dans le temps imparti, ou farmer les boss. Bah, ça serait vraiment pas mal. Tandis que là, bah non, vous avez 3 modes, et puis bah, vous faites avec. Donc je vais pas dire non plus que c'est vraiment mal, mais au bout d'un moment, là, depuis quelques semaines, je commence tout simplement à me lasser. Donc voilà, donc je dis pas que s'il y aurait vraiment une quête temporaire qui m'interpellerait, je la ferais. Enfin, je la ferais pas. C'est je la ferais, je prendrais le temps. Peut-être là, comme je vais arrêter un petit peu les quêtes temporaires, je vais avoir du recul là-dessus. C'est malgré que c'est une série qui marche plutôt bien que sur la chaîne, que ce soit sur la chaîne YouTube comme sur la chaîne de la Mooners TV. Je pense que je veux pas user le concept, ce n'est pas parce que la série marche bien que je vais la continuer. Non, là j'ai vraiment envie de l'arrêter tout simplement. Et j'espère que la prochaine quête, donc cette quête de cette semaine, donc battre les pampas en chasse en masse numéro 6, sortira, parce que voilà quoi. On va revenir, donc je vais vous confronter en fait à mon souci que j'ai dans le dernier point de la vidéo. Donc là, le second point, ce sont les séries en cours. Donc sur la chaîne, donc, il y a Cladon's Returns qui est passé de LP secondaire à LP principal. Nous sommes arrivés à plus de la moitié du jeu parce que le jeu est composé de 10 chapitres et nous sommes arrivés au chapitre 6. Il y a aussi les donjons extra qu'on s'amuse aussi à faire, mais je pense les arrêter de les faire en vidéo. Et du moins les filmer et de les mettre entre deux en fait quand j'ai une période creuse, mettre une ou deux vidéos, même si on a déjà bien avancé dans l'histoire, ben revenir un petit peu en arrière. Il y a aussi Dead by Daylight, donc un épisode chaque dimanche, si je me trompe.
ou pas. Donc j'espère que cette semaine ils vont en avoir, parce que là j'ai commencé à avoir des soucis, mais vraiment des très 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 gros soucis pour les tourner. Pas par manque d'envie, c'est tout simplement lorsque j'arrive sur une game, on va dire que le tueur n'est pas très gentil, et, enfin c'est le but aussi du tueur, mais il y a beaucoup d'anti-jeux. C'est par exemple un tueur normalement est censé. Il vous accroche au crochet, ok? Et après il est censé partir chercher les autres survivants, tandis que là non, ils vous attendent bien que vous êtes mort, donc aucun survivant peut venir vous sauver hein, en quelque sorte. Et ça s'amuse comme ça pendant tout le long du jeu. Alors si c'est pour faire un épisode comme ça, faire on va dire tourner un épisode d'une heure et demie, et pendant une heure et demie, ben c'est comme ça, moi perso j'ai pas de plaisir à faire la vidéo, à la monter et à la publier. Pas parce que je suis mauvaise joueuse, loin de là, c'est juste qu'en fait, où est l'intérêt? C'est moi, mon intérêt c'est de vous montrer un petit peu du gameplay, un petit peu la coopération qu'il y a dans le jeu, tandis que là, ben, à cause des tueurs, hein, ben, je mets pas non plus tous les tueurs dans le même panier, parce que dans l'épisode 2, le dernier tueur, là, celui qui faisait la momie, a joué bien le tueur. Il a compris le rôle du tueur, bon il m'a accroché, après hop, il est parti chercher les autres. Bien au contraire, c'était même assez amusant de voir que tu utilisais toutes les compétences et pas toujours les mêmes compétences. Il variait un petit peu. Donc ensuite, troisième point, ce sont les nouveautés à venir donc, sur la chaîne. Donc là, vous avez vu, j'ai commencé à mettre du fansub. Parce que j'aime beaucoup faire du fansub. Donc à un moment, je me demandais si je continuais vraiment les vidéos gaming et si je me mettais pas 100% dans le fansub et dans le nightcore. Nightcore que vous pourrez retrouver sur ma chaîne secondaire. Donc là, le lien de la chaîne sera dans la description. Donc ensuite, ce que j'aurais voulu faire, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que malheureusement, ben, c'est repoussé jusqu'à une date indéterminée parce que j'ai des soucis de son. Alors tout simplement, l'arrivée prochaine de diverses vidéos découvertes, donc sur des jeux indépendants ou bien même sur des jeux que j'ai jamais touché. Ce serait amusant de les découvrir sur un format, on va dire, d'une demi-heure. Faire une sorte de mini-test qui pourrait être collectif. Tout le monde pourra apporter sa pierre à l'édifice dans les commentaires. Je pense que ça serait vraiment pas mal de faire venir ce genre de petite vidéo au lieu toujours de proposer soit des LP ou soit des vidéos astuces. Les vidéos astuces, ça prendrait quoi? Ça prendrait 10 minutes par maximum. Tandis que là, le LP, ben, enfin les vidéos découvertes, sous forme de test, hein, en gros, durer, on va dire, entre une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça vous permettrait également de découvrir des jeux. Ensuite, il y a trois LP que j'aimerais faire et qui, malheureusement, ben, à cause de ce joli souci, eh ben, je ne peux pas les faire. Donc, j'aurais voulu lancer le LP de FF7 pour le mois d'août, parce que FF7, c'est mon jeu de la vie, c'est le jeu qui me tient à cœur, c'est le premier Final Fantasy que je termine tout seul, toute seule, quoi. Bien que mon premier FF c'était Final Fantasy 6, enfin avant il y avait eu Final Fantasy 1 sur Super SNES, mais bon c'était pas moi qui jouais, hein, donc je les considère pas vraiment comme mes premiers FF. FF7 a été vraiment le premier FF que j'ai refait toute seule, que j'ai terminé, et que voilà quoi, pour moi ça a été un petit peu ma référence RPG, et j'aurais aimé le refaire donc sur PS4 pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Et également essayer de tenter le 100%. Donc 100%, donc selon moi, c'est vaincre les boss optionnels, avoir les dernières armes, avoir toutes les limites, faire une bonne partie des quêtes. Enfin, j'avais prévu de faire toutes les quêtes, sauf la quête des chocobos, parce que je n'ai jamais rien compris à cette quête. Enfin, c'est pas que j'ai jamais rien compris, c'est que j'ai jamais réussi à faire le croisement des chocobos, tout simplement. Et il y a le FF12 HD. Qui est sorti très récemment et qui, on va dire, a refroidi beaucoup de personnes parce que tout le monde pensait revoir le FF12 genre PS2 arriver. En fin de compte, non, parce qu'il apporte beaucoup de nouveautés. Et donc, je voudrais le faire d'abord de mon côté, du moins faire une bonne partie du jeu de mon côté pour avoir le recul de le faire en LP pour pas arriver, on va dire, les poches, enfin les mains dans les poches, puis le faire, on va dire, en mode lambda, je le fais juste parce que je dois le faire. Non, je voudrais vraiment le faire en mode, on va dire, semi-découverte. Parce que j'aurais avancé seulement dans une partie du jeu toute seule. Et le refaire et le continuer vraiment avec vous. C'est une fois que bon, on a compris les bases, je pense qu'après ça pourrait aller vite.
Donc c'est pour ça que ces deux LP prennent du retard. Et le troisième donc arriverait donc normalement courant novembre. Donc d'ici là je pense même que j'aurais changé de boîtier parce que voilà. Et ça serait donc faire le LP de FF15. Tout simplement parce qu'il y aura un an qui se sont écoulés depuis la sortie du jeu. Je pense avoir accumulé assez de recul comparé au jeu lors de sa sortie et avec les mises à jour qu'on a maintenant. Et ça serait un peu l'occasion de le faire également sur la chaîne parce que je l'ai fait en live à sa sortie. Et j'ai pas posté les rediffs sur la chaîne YouTube tout simplement parce que j'ai pas gardé les records, tout simplement. Et donc voilà, donc ce sont les nouveautés. Enfin, ceux que j'aimerais bien lancer sur la chaîne. Tout au moins les vidéos découvertes, le LP des 3 FF. Enfin, peut-être que je ferai un autre jeu entre deux, ça on verra dès que Cladoon est terminé. Pour le moment, Cladoon est en pause tout simplement parce que je dois level up mes persos et puis ma petite équipe. Ensuite, je voudrais vous parler donc du problème qui m'handicape en ce moment et que je peux, enfin à cause de ce problème, je ne peux pas sortir de vidéo comme je veux. Tout simplement parce que mon boîtier a décidé de refaire des siennes. Je vais vous expliquer quoi. Par exemple, je fais une vidéo de 10 minutes. Donc la vidéo s'enregistre bien pendant 10 minutes, j'ai pas de soucis, la vidéo est super. Cependant, l'audio qui accompagne la vidéo, alors pas l'audio du jeu, je parle du commentary, c'est par exemple au lieu de faire 10 minutes, il ne fait que 6 minutes. Je perds 4 minutes, mais ce qui est assez bizarre, c'est que dans ce condensé, j'ai tout mon commentary. Ça fait un petit peu bizarre. Hein. C'est bizarre, je sais pas d'où ça vient. Tout simplement, par exemple, prenez les derniers épisodes de Cladoon. Donc, la vidéo est nickel, le commentary est présent. Cependant, au bout de, on va dire, 12 minutes de vidéo, il n'y a plus aucun commentary. Parce que l'audio est considéré comme terminé. En fait, le problème vient de l'audio en lui-même. C'est, je sais pas d'où ça vient, comment régler ce souci. Parce qu'en fin de compte, eh ben, s'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne commentée, je pourrais lancer des vidéos comme ça sans commentaire. Mais le problème, quoi, c'est ça. Je dirais pas en fait que ça ennuie les gens, parce que les gens aimeraient bien avoir le retour. Et donc, ce souci se répète sur toutes mes vidéos. Donc c'est pour ça que la vidéo de la quête temporaire de cette semaine, donc sur les pampas, prend du retard. Parce que j'ai ce souci-là, je sais pas comment le régler. Et d'un côté, ça m'embête, à défaut d'autre chose. J'ai essayé de désinstaller le logiciel, de le réinstaller, j'ai essayé de changer de micro, ben c'est toujours la même chose. La seule chose que j'ai pas encore essayé, c'est de brancher directement le micro-casque sur l'AVR-Media. Donc je vais tenter ça dans la soirée. Record une dernière fois la quête, sinon ben je tournerai quand même la quête. Mais il n'y aura pas de commentary, je mettrai des sous-titres à la place, donc ce qui me demandera plus de travail. Mais on fera comme ça s'il faut le temps que ça se règle. Et j'espère que ça va se régler assez rapidement parce que c'est quelque chose qui est assez handicapant quand on veut faire des vidéos tests ou bien même des LP pour apporter son point de vue, expliquer des choses, faire par exemple étape par étape. Ben, voilà quoi, on peut pas. Et les gens souvent se posent, on va dire, en mode podcast et puis écoutent et le font en même temps de leur côté. Et tandis que là, ils devront suivre la vidéo avec les sous-titres. Ce qui n'est pas vraiment pratique, j'en conviens. Donc voilà, donc cette petite vidéo annonce est terminée. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre en fond de vidéo. Je verrai bien. Parce que là, tout simplement, pour vous dire, j'ai aucun record de prêt. C'est ce souci, c'est accumulé sur toutes mes vidéos. Donc j'ai dû supprimer toutes les vidéos que j'avais déjà faites en avance. Donc il y en avait une vingtaine. Alors c'est, on va dire, plus de 8 à 10 heures de travail ben, pour rien. Parce que forcément on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et en fin de compte on voit que tous les records sont corrompus. Du moins l'audio de tous les records est corrompu. Pas la vidéo en elle-même, c'est juste l'audio qui pose problème. J'ai même tenté d'enregistrer en arrière avec Audacity, et ben ça faisait la même chose. J'ai pas mon quota de... Enfin ma vidéo est corrompue, j'ai mon commentary, mais je peux pas le superposer avec ma vidéo. Sinon, il faudrait que je fasse des cuts sur la vidéo, mais vraiment des cuts énormes pour, par exemple, sur une vidéo de 10 minutes, eh ben, la vidéo ne ferait que 4 minutes. Parce que ben, il me manquerait 6 minutes de commentary, et ça, c'est impossible à faire, quoi. Et c'est un souci qui commence à me peser un petit peu sur le moral, parce que, sincèrement,
Je suis contente d'ouvrir mon logiciel, de faire la vidéo, et quand j'arrive sur la table de montage, ben, je vois que la vidéo est bien, mais que l'audio ben, est corrompu, quoi. Je peux rien y faire. Donc c'est pour ça, pour le moment, il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Moi, s'il y en a, ben, attendez-vous à ce qu'elle ne soit pas commentée. La seule chose là que je peux faire réellement, ce sont du fanseb, via du Nightcore. Parce que ça me demande pas de passer par le logiciel de montage RE Central. Tout simplement. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo annonce qui devait normalement arriver en seconde partie de la quête temporaire. Et donc j'espère que vous comprendrez un petit peu mon problème. Je suis désolée pour ceux qui attendaient donc avec impatience les prochaines vidéos. Ben, tout ça, ça prend du retard. Je pourrais les faire en stream, le problème étant que ben, en ce moment, ben, j'ai pas vraiment la tête à streamer. C'est heureusement là que les matinales se sont arrêtées, parce que je pense que... Parce que côté vraiment moral, c'est la fatigue, là c'est ce souci qui s'ajoute à tout ça. Et là je suis en mode zéro. Même la dernière tentative pour tourner la quête temporaire, j'étais vraiment, on va dire, lassée. J'avais pas l'envie vraiment de faire, parce que je savais pertinemment que l'audio de la vidéo serait corrompu. Et forcément, des fois, une fois sur deux, j'ai la vidéo qui est corrompue également. Donc comme ça on est tranquille. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les prochaines nouveautés, donc quand elles arriveront, ben, vous plairont. Hein, parce que moi, je suis vraiment impatiente de pouvoir commencer tout au moins le LP de FF7. J'ai déjà fait mes notes sur le Google Doc, j'ai déjà tout préparé, voilà, quoi, j'avais tout préparé tout bien. Et en fin de compte, ben voilà, quoi, je peux rien faire. Je suis bloquée parce que l'audio du record à chaque fois, merde. Et parce que c'est le cas de le dire. Voilà, je perds un temps précieux. Et quand je vois le résultat, ben, je suis pas convaincue que poster ça serait vraiment bien. Déjà, j'ai fait l'effort de poster la vague d'épisodes de Cladoon, mais je savais pertinemment que l'audio était corrompu. Quelque part, ça m'a un petit peu embêté, mais j'avais pas la possibilité de refaire donc les épisodes là, puisqu'en fait, à chaque fois d'épisode, je sauvegarde ma partie. Et après, voilà, je relance le chapitre. Et faire ça, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que j'aurais pu lancer un deuxième LP, mais déjà que la Doom me prend énormément de temps, elle passe de secondaire à série principale. Là, je suis soulagée pour le moment parce que j'arrête les quêtes temporaires parce que ben, j'estime en avoir fait le tour. Dead by Daylight, c'est pareil, c'est un épisode par semaine. Ben, l'épisode 2, vous verrez qu'il y a déjà un sacré décalage dans la vidéo. Le décalage est de 2-3 secondes, donc ça va encore, mais comme là, dans Cladoon, c'est des décalages à 3 à 6 minutes. C'est un peu plus embêtant et je ne vois pas commencer, on va dire, le LP de FF7 avec ce problème. C'est commenter, on va dire, un épisode de 25 minutes. Et en fin de compte, se retrouver avec seulement 13 minutes de commentary. Sachant que dans les 13 minutes, il y aura tout mon commentary. Je sais pas comment faire ça. Donc si vous avez des idées sur comment régler ce souci, ben, je suis preneuse. Parce que sur internet, je trouve absolument rien. Et puis voilà. Donc je vais mettre fin à la vidéo annonce là maintenant. Et on se retrouve prochainement pour un éventuel épisode de FF15 ou de Cladoon. Ou bien du Dead by Daylight. Je ne sais pas. Enfin, jusque-là, portez-vous bien.